Seigneur, nous te bénissons pour ce mois qui commence. Tu es Alpha et tu es aussi Oméga. Seigneur, chemine avec nous pendant tout ce mois de novembre. Nous attendons à quelque chose de ta part. Seigneur, ce matin, bénis ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien, éternel Yahweh. Que ta parole réconforte celui qui est faible. Seigneur, qu'elle vienne comme une consolation, qu'elle vienne comme du baume, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, éternel Yahweh. Et qu'elle apporte la vie, Seigneur mon Dieu, car c'est ta parole qui nous vivifie. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous du bien à cette heure. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Shalom, bien-aimé. Shalom. Que la paix de Christ soit sur chacun de vous. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la divine providence, ou de la providence divine. La providence divine. Et nous allons tirer quelques enseignements ou quelques vérités du livre d'Esther. Le livre d'Esther. La semaine passée, nous avons parlé, nous avons exploité le livre de Ruth. Aujourd'hui, nous allons parler non pas de la vie d'Esther, mais de la providence divine. Et nous trouvons ça dans le livre d'Esther. La providence divine, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements dans la vie des hommes et les créatures vers une fin, vers un but qu'il leur a assigné. Donc c'est la manière dont la main invisible de Dieu est en train de conduire les événements de ta vie. La providence divine. La main invisible de Dieu. Dieu s'implique dans l'histoire de l'humanité. Il s'implique dans l'histoire des hommes. Et Dieu est en train de manœuvrer comme un fin stratège les différents événements de ta vie, les différentes circonstances de la vie, les différents faits qui sont en train de t'arriver. Ce sont des choses que Dieu a préparées, que Dieu est en train, comme une main invisible, d'orienter, de guider, mais pour ton bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toutes choses travaillent ensemble, toutes choses se mettent en accord ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Lisons dans Esther au chapitre 6, je vais lire du verset 1er jusqu'au 3e verset. Esther chapitre 6, 1er verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales et les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Térèche, les deux eunuques gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. » Le roi pose une question. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?» Et on lui répond « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Quelle marque de distinction, quel signe d'honneur, quel honneur a-t-il reçu Mardoché pour avoir préservé ma vie, pour avoir déjoué un complot qui était fomenté contre moi. Et on lui répond que rien, rien n'a été fait. Aucune marque de distinction, aucun honneur n'a été fait à Mardoché pour avoir épargné la vie du roi, pour avoir sauvé la vie du roi. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelle est la série des événements qui ont fait que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Le roi était dans son palais. Ce n'est pas que les conditions climatiques, sécuritaires ou de confort n'étaient pas réunies pour qu'il puisse dormir cette nuit-là. Mais il s'est passé un événement qui a fait que le roi a perdu le sommeil. Le roi qui pouvait dormir, le roi qui avait tout, en tout cas dans ce royaume-là, le roi avait les meilleures conditions pour dormir. Mais il se fait que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. La Bible nous dit dans le Proverbe 21, au premier verset, le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc Dieu tient le cœur du roi comme un courant d'eau dans sa main. S'il incline à gauche, la rivière va couler à gauche. S'il incline à droite, la rivière va couler à droite. Dieu, le maître des temps et des circonstances, il tient le cœur du roi. Le roi voulait dormir, le sommeil ne voulait pas. On lui a chanté des cantiques, des chansons et tout. Le sommeil ne venait pas. Alors il a dit qu'on m'amène les annales, qu'on m'amène les chroniques, les livres de l'histoire de son peuple. C'était le roi Assuérus, le roi des Perses et des Mèdes.
On a emmené les hauts faits de son peuple. On a lu les chroniques, l'épopée, l'historique de son peuple, les histoires de son peuple, de ses ancêtres. Mais à un moment donné, on a parlé de Mardoché. Et on dit que voici Mardoché avait déjoué un complot qui avait été fomenté par Bigtan et Teresh, garde du seuil, qui se tenait à la porte du roi. Et Mardoché qui était là, qui se tenait aussi à la porte du roi, a entendu ce complot-là. Il est allé en parler à sa cousine Esther, qui est allée dire au roi. Et on a pu mettre la main sur ces deux personnes, on les a pendues. Mais au lieu de recevoir un honneur, ce bienfait était comme oublié. Et voilà que cette nuit-là, lorsque le roi ne peut pas dormir, on lui a lu toute une série de choses. Mais quand on a parlé de Mardoché, et on a parlé de ce que Mardoché fait, il dit, attendez un peu là-bas. Revenez un peu sur cette histoire. Et on lui parle maintenant de ce que Mardoché a fait. Et il pose une question. Qu'est-ce qu'on a fait pour honorer une telle personne? Qu'est-ce qu'on a fait pour honorer Mardoché à cette époque-là? On lui répond qu'on n'a rien fait. Rien n'a été fait pour celui. Et voilà que il y a des événements qui ont précédé cette nuit-là. Et il y a 5 événements qui ont précédé cette nuit-là. Et nous allons ensemble voir quels sont les 5 événements qui ont emmené le roi de ne pas dormir pour qu'il puisse poser cette question-là. Donc Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu qui est un fin stratège, a orchestré, entre guillemets, toute une série d'événements pour que Mardoché, pour que plutôt le roi Assuérus puisse poser cette question-là au sujet de Mardoché. Donc si Mardoché avait reçu sa récompense des années plus tôt, il n'y a rien qui allait se passer et il y allait avoir même péril pour le peuple d'Israël qui se trouvait en Perse. Alors, pour ce qui est de l'historique, l'histoire se passe dans la ville de Suse, dans le royaume ou l'empire des Perses et des Mèdes. Le royaume des Perses et des Mèdes est celui qui avait remplacé Babylone. Babylone, nous connaissons avec Nabuchodonosor. Et voilà que les Perses et les Mèdes prennent possession de l'empire babylonien. Et cet empire s'étend sur des provinces qui vont jusqu'en Inde et jusqu'au sud en Éthiopie. Donc c'est un empire qui s'est établi presque dans tout le monde à l'époque. Et hier, j'ai été vraiment surpris de voir un documentaire qui est fait. Vous savez qu'en Inde, il y a nos descendants africains. Et j'étais impressionné. Vous voyez des Africains en Inde. Je ne parle pas des Indiens qui ont des teintes sombres, mais je parle des descendants d'Africains qui sont en Inde. Et on dit qu'ils ont été emmenés. Bon, ça, c'est la version de ceux qui racontent l'histoire. Vous savez, c'est toujours ceux qui ont remporté la bataille qui racontent l'histoire. Donc ça, c'est le point de vue eurocentrique. Ils disent qu'on les avait emmenés là-bas comme esclaves. Mais nous savons qu'à l'époque, il y avait des commerces qui s'établissaient. Donc ce sont des populations africaines qui ont été prises de Zanzibar et qui ont été emmenées en Inde. Et on dit que ça date de l'époque des Perses et des Mèdes. Et qu'ils allaient jusqu'en Inde pour faire des commerces. Et on dit qu'on appelle les Sidis de l'Inde. Ce peuple-là, on l'appelle les Sidis de l'Inde. Et ils étaient très forts dans le bois. Donc, à tout ce qui est bois et tout. Alors, on les a emmenés dans une province où il y avait beaucoup de bois. Et c'était des gens qui étaient habiles avec le bois. Et lorsqu'on regarde l'histoire, on dit que ça date de l'époque des Perses et des Mèdes. Donc, c'est pour vous dire que ça remonte à très longtemps. Mais dans l'histoire de ce peuple, c'est seulement en 1411 qu'on a des traces, mais vraiment exactes, de leur établissement là-bas. Mais ça date bien avant cela, bien avant l'époque de Jésus-Christ, qu'il y avait des relations entre ces peuples. Mais tout ça, c'est pour dire que l'empire perse et mède, c'était un empire qui s'étendait sur plus de 120 provinces, qui allait de l'Éthiopie jusqu'en Inde. Et donc, le royaume des Perses ou l'empire des Perses, à cette époque-là, il y avait le roi Assuérus. Dans d'autres livres d'histoire, on l'appelle Xerxès Ier, qui était roi. Et cette histoire que nous venons de lire se passe vers la fin de l'an 479 et au début de l'an 478 avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, le royaume de Juda était déjà détruit. Nabuchodonosor était venu et il a pris les peuples de Juda et l'a déplacé à travers les différents pays de son royaume. Et donc Israël, le temple, est détruit à cette époque-là. Mais à l'époque du récit,
d'Esther, il y a une partie du peuple d'Israël qui est déjà rentrée à Jérusalem. Nous connaissons l'histoire d'Esdras, de Néhémie, de Zorobabel qui sont partis pour rebâtir le temple. Mais il y a encore une autre partie qui reste en captivité. Et les gens qui restaient en captivité, au fait, il y en avait, c'était par convenance. Ils avaient déjà développé leur business là-bas, ils avaient déjà développé leurs affaires là-bas, et il n'y avait aucune raison de rentrer au pays. Alors que l'ordre était déjà donné que chacun pouvait rentrer dans son pays, de sa naissance, de son origine. Mais voilà que nous avons Mardoché et sa nièce Esther, ou plutôt sa cousine Esther. Parce qu'on dit que Esther était la fille du frère de Mardoché, plutôt du cousin de Mardoché. Donc nous pouvons dire que c'est sa cousine, du père de Mardoché, je voulais dire. Donc c'est sa cousine. Et voilà qu'il y avait une grande fête qui était organisée dans le royaume. Le roi organise une fête pendant 180 jours. 180 jours, c'est 6 mois de fête, en continu. On offre du vin, le roi montre ses richesses, il montre la beauté de son royaume et tout cela. Et à la fin de cette fête-là, pour montrer la couronne de son royaume, de son empire, il fait venir sa femme Vasti pour la présenter, la montrer devant les grands du royaume. Et voilà que Vasti refuse cette invitation. Parce qu'elle dit, non, je ne suis pas un objet pour me livrer en spectacle devant ces gens. Elle refuse de venir. Et le roi fut très irrité à cause de cela. Et il demande aux grands de son royaume, ses conseillers, qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans ce royaume-là, les affaires se décidaient comme ça. Le roi décidait avec un collège de conseillers. Et on dit que si tu gardes Vasti dans la maison du roi, toutes les femmes du royaume vont manquer leur mari, vont manquer du respect à leur mari. Par conséquent, enlève-lui la dignité de reine et cherche une autre. Et le roi accepte cette idée-là. Et il y a eu un long moment, le roi est resté seul. Mais à un moment donné, le roi a commencé à penser à Vasti. Alors on a dit non, à cause de ta signature, à cause de la décision que tu avais prise qui est irrévocable. Parce que dans l'empire des Perses et des Mèdes, lorsqu'une loi était donnée, la loi était irrévocable. Même le roi lui-même ne pouvait pas contredire ce que lui-même avait signé. C'était ainsi avec les Perses et les Mèdes. Les lois étaient irrévocables. Son cœur penchait de nouveau vers Vasti, mais à cause de ce qu'il avait décidé avec les grands de son peuple, il ne pouvait pas. Alors on décide de trouver une reine pour remplacer. Donc le premier événement, c'est le refus de Vasti de se présenter devant les rois, et c'est sa déchéance. Deuxième événement, on cherche une reine. Alors la décision est que le roi ne va pas aller prendre quelqu'un qu'il connaît. Mais on va faire comme un concours des Miss. On va dire, bon, cherchons les plus belles filles du royaume. Un peu comme les Miss Univers, Miss Monde. On va chercher la plus belle, celle qui plaît au roi, et le roi va l'épouser. Alors on va dans les rues de Suse, et par ces entrefaits, on tombe sur Esther. Esther est choisie parce que la Bible dit qu'elle était belle de figure et belle de taille. À cause de ces deux critères-là, on la prend, on la fait entrer dans le palais où on préparait les jeunes filles qui devaient se présenter devant le roi. Mais lorsqu'on voyait Esther, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Esther, son nom c'était Hadassa, Esther signifie étoile. Lorsqu'on la voyait, elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Tous ceux qui la voyaient tombaient sous son charme. Et voilà que l'eunuque était responsable de la maison des femmes du roi. Lorsqu'il voit Esther, il donne à Esther les conseils qu'il faut. Il lui dit de choisir les choses qu'il faut pour qu'elle puisse plaire au roi. Et voilà, lorsque son tour de passer devant le roi arrive, elle trouve grâce aux yeux du roi. Et le roi fait d'elle une reine. Alléluia. Elle devient la reine dans le pays des Perses, dans l'empire des Perses et des Mèdes. Elle est reine et son cousin Mardoché, la Bible dit qu'il se tenait à la porte. Je me rappelle, dans le passé, je pensais que ça voulait dire qu'il était sentinelle, qu'il était garde à la porte. Mais non, ça veut dire que c'était un fonctionnaire qui se tenait dans le palais royal, dans la cour du roi. Donc il avait quelques fonctions administratives. Donc c'était quelqu'un qui était éduqué, c'était quelqu'un qui se trouvait pas très loin du roi, dans le sens que c'était un fonctionnaire, se tenir aux portes. Dans la Bible, lorsqu'on dit qu'il se tenait aux portes, c'est là où on tranchait les affaires, c'est là l'administration de la ville, lorsqu'on se tenait aux portes.
et non pas aux portes de la ville. Ce n'était pas qu'on était sentinelle, comme nous l'avons créé, on a même prêché ces choses. Et nous comprenons aujourd'hui que c'était un administrateur, un fonctionnaire. Et lorsqu'il était en train de travailler, il entend Bigthan et Terach, qui étaient les gardes du seuil du roi, qui ont cédé un mouvement d'irritation contre le roi et ont décidé de mettre la main sur le roi pour l'éliminer. Mais voilà que Mardoché, qui se trouva, entre guillemets, comme par hasard, à cet endroit-là, a entendu le complot qui était fomenté contre le roi. Or, à cette époque-là, Mardoché était déjà, qui est le cousin de la reine était déjà en position reine. Et il va parler à la reine. Il dit, écoute, voici ce qui est en train de se préparer contre ton mari. Va le lui dire. Elle le redit au roi, et le roi mit la main sur ces deux, et on les a pendus. Mais rien n'a été fait en faveur de Mardoché. Lisons Esther au chapitre 3, au verset 1er. Après ces choses dont je viens de vous parler, n'est-ce pas? Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadetha, l'Agagite. Il faut bien retenir, fils d'Amadetha, d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. C'était un étranger, l'Agagite. Ce n'était pas un Perse, ce n'était pas un Mède. On l'a pris, on l'a élevé. Au-dessus de tous ceux qui étaient chefs auprès du roi. Une élévation, on ne sait pas comment il est arrivé à ce poste-là, mais il est arrivé à ce poste-là. C'est le roi qui l'a élevé. Au verset 2, il est écrit, « Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, donc dans l'administration, dans la fonction publique, à cette époque-là, fléchissez le genou et se prosternez devant Aman. » Notez bien ces deux verbes. Fléchissez les genoux et se prosternez devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. C'était l'ordre du roi. J'élève ce monsieur. À partir d'aujourd'hui, désormais, vous vous prosternez devant lui, vous fléchissez les genoux devant lui. C'était l'ordre du roi à l'égard d'Aman. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était quoi ? Qu'il était juif. Le problème pour un juif, c'est que se prosterner devant un homme, c'était un signe d'adoration. C'était lui rendre un culte d'adoration. Non seulement s'agenouiller, mais se prosterner. Prosterner, c'est adorer. En grec, le mot prosterner vient du grec proskuneo, qui signifie adorer. Ça signifie adorer. Donc, ici, il s'agit d'une adoration qui était faite à Aman. Et lui, en tant que juif pieux, refuse de faire cela. Il refuse de se prosterner. Dans Apocalypse, au chapitre 19, au verset 10, lorsque Jean reçoit la vision de la Nouvelle Jérusalem, des choses à venir, l'ange est en train de lui parler de ces choses, la Bible dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Donc, il refuse de se prosterner devant Aman. Pourquoi? Parce que c'était un signe d'adoration. Lui qui était juif, malgré qu'il était en captivité, loin d'Israël, loin du temple de Jérusalem, il connaît ces choses, il garde ces choses. Malgré qu'il était en terre étrangère, il connaît son identité. La Bible dit parce qu'il était juif. Et lorsque Aman apprend cela, la Bible nous dit, au verset 5, Aman vit qu'il ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait devant lui. Il fut rempli de fureur. Aman, rempli de fureur. Pourquoi? Parce qu'il ne se prosternait pas devant lui. L'histoire d'Aman et de Mardoché ne commence pas à ce moment-là. Aman est qui? Il est fils
d'Agag. C'est un Agagite. La Bible nous parle plus loin, 600 ans avant, d'un récit. Je ne sais pas si vous en souvenez. Le roi Saül. On lui demande de passer par le fil de l'épée, les Amalécites. Et qui était le roi des Amalécites? C'était le roi Agag, fils d'Amalek. Et que fait Saül? Saül, il épargne la vie du roi Agag. Il décide d'épargner la vie du roi Agag. Mais Samuel, le prophète, lui a dit, extermine tout le peuple. Ne laisse rien de ce peuple. Il décide de garder le bétail et il décide de garder le roi. Et lorsque Samuel vient se présenter devant Saül, il lui demande, le bruit que j'entends là, c'est quoi? Les bêlements que j'entends là, c'est quoi? Il lui dit, non, j'ai épargné le meilleur du bétail pour l'offrir en sacrifice. Et puis, on voit Agag avec Saül, Agag souriant, tout content, en se disant que la colère de la bataille est déjà passée, ma vie sera sauve. Histoire entre Saül et le roi Agag. Et voilà, nous connaissons la suite du récit. Samuel lui-même prend l'épée et il abat Saül, Agag. Mais nous pensons qu'il y a des descendants. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on a exterminé tout un peuple, il y a toujours des descendants qui ont échappé. Et voilà que 600 ans plus tard, dans la ville de Sus, Mardoché, étranger, Aman, étranger dans la ville, ils se retrouvent tous les deux dans cette même ville-là. Et qui est Mardoché? Lisons dans Esther, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché. Écoutez bien l'ascendance de Mardoché. Fils de Jaïr, fils de Chimé, fils de Kis, homme de Benjamin. Saül était qui? Il était fils de qui? Fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Donc, c'était l'ancêtre de Mardoché qui était face à face avec Agag, qui devait exterminer Agag. Aujourd'hui, nous voyons Aman, descendant du roi Agag, qui se trouve face à face avec un descendant de Saül. Aujourd'hui, Agag se dit, c'est mon tour de venger mon peuple. Donc, 600 ans après, un problème que tu n'avais pas réglé dans le passé, aujourd'hui, ça vient te hanter de nouveau, dans une terre étrangère. Des problèmes que tu avais ignorés, des problèmes que tu avais dit, je mets ça sous le paillasson. Aujourd'hui, voilà que le fils de Kis se retrouve avec le fils d'Agag, face à face, dans une confrontation. Et à cause de ça, Agag se dit exterminer ou bien révoquer ou pendre Mardoché seul, ça ne règle pas mon compte. J'ai besoin de me venger de tout ce peuple. J'ai besoin de me venger de tout ce peuple. Et qui est Aman? Aman représente la haine tribale, la haine raciale ou ethnique. Tu as un problème avec une personne, tu en fais le problème de toute une race, de tout un peuple. Voilà ce que Aman représente. Je ne sais pas si vous suivez bien les informations dans ce pays. Je sais qu'on est suivi sur Internet, ce sont des vérités, ce sont des choses qui doivent se dire. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Dans ce pays, si un blanc tue un blanc, on ne va pas donner sa race. On ne va pas dire qui a tué qui. Mais si un noir commet un crime, on va toujours dire un noir a fait ceci, un noir a fait cela. Donc ce n'est plus un péché individuel, mais ça devient un péché collectif. Ça c'est Aman, la haine raciale, la haine ancestrale. Le problème qui est avec une personne, Aman, ton problème c'est avec Mardoché seul. Comment tu en fais le problème de toute une race? C'est une seule personne qui a commis un crime, mais maintenant ça devient toute une race qui a commis un crime. Ça, ça représente Aman. Aman représente l'abus du pouvoir. Tu es en position de force, alors tu abuses de cette autorité. Tu abuses de cette force, tu abuses de ce pouvoir pour réprimer, pour opprimer l'autre qui est différent de toi. Pourquoi? Parce que tu es en position de force. Voilà ce que représente Aman. Aman représente la course effrénée au pouvoir. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce poste-là?
Lui qui est étranger, il a surpassé tous les natifs de ce pays et il arrive à une position d'autorité, au-dessus de tous les chefs. Donc au-dessus de lui, il n'y a que le roi Assuérus, Aman. Il veut être le premier, il veut être à la première place. Il croit qu'il est supérieur à tous. La suite des histoires, nous allons voir, il croit qu'il est supérieur, qu'il est meilleur que tous. Aman. Il va même utiliser l'occultisme pour arriver à des positions élevées. Et si nous regardons la signification de son nom, le nom de Aman signifie auteur. Donc c'est quelqu'un qui se dit que de par mon nom, je mérite cette position-là. Aman. La haine tribale, la haine raciale, la haine ethnique, la soif de positionnement. Aman. Et Mardoché, de l'autre côté, c'est le type du chrétien qui refuse de se compromettre sous la pression de ce monde. Le roi donne un ordre, vous prosternez devant lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il connaît son identité d'enfant de Dieu, qui connaît son identité de chrétien, il refuse de se prosterner face à ces choses. Il refuse la compromission avec le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il refuse ces choses. Bien-aimé, dans peu de temps, il y aura des choses qu'on ne pourra plus prêcher. Tu prêches contre ces choses, on te met en prison. Dans les pays scandinaves, Norvège, Suède, Norvège, Suède, il y a encore un autre pays là, le Danemark, vous ne pouvez pas prêcher contre l'homosexualité, c'est-à-dire vous lisez la parole de Dieu, on vous arrête. On dit, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Mais j'ai lu ça, c'est dans la Bible. On dit, non, 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 c'est toi qui as dit ça. Je me rappelle, il y avait une personne qui est allée dans un hôtel. Vous savez, dans les hôtels, on met des Bibles, n'est-ce pas? Et dans cette Bible-là, on a dit que les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Le monsieur s'est fâché contre le propriétaire de l'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel a dit, mais c'est un hôtel, il y a des Bibles dans tous les hôtels. Hein? Ce n'est pas contre moi que tu dois porter plainte. Alors il est allé porter plainte contre la maison d'édition de la Bible, en disant, pourquoi est-ce que vous avez écrit ça? On dit, mais c'est la parole de Dieu, c'est écrit depuis des siècles. Hein? Bon, qu'il aille porter plainte contre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Mais si tu ne le reçois pas aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, il sera ton juge. Et Dieu est un feu dévorant. Donc il y aura des choses qu'on ne pourra pas prêcher. Donc Mardoché, c'est le type de chrétien qui refuse de se compromettre sous la pression du monde. Il appelle un chat, chat. Il ne cherche pas à nuancer avec des termes. On te demande, est-ce que tout le monde ira au ciel? Tu commences à répondre en hésitant. Non, le salut n'est qu'en un seul nom, dans le nom de Jésus-Christ seul, sans compromis. Alléluia. Mardoché, c'est le type de chrétien qui prie, qui jeûne, qui cherche la face de l'Éternel dans l'adversité. Aman décide d'aller voir le roi. Il dit au roi, écoute, il y a un peuple qui n'obéit pas aux lois de ce pays. Ce peuple-là, c'est un peuple qu'il faut exterminer. Et comment, moi je te propose une somme d'argent, mais toi donne-moi seulement l'autorisation d'envoyer des messages dans tout l'empire pour qu'on extermine ce peuple-là des Juifs. Or, la reine Esther, qui était juive, n'avait pas fait connaître sa race auprès du roi. Pourquoi? Parce que Mardoché lui avait dit, garde-toi de le faire. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Un fin stratège. Donc, il y a des circonstances, il y a des événements qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Tu aurais pu parler, mais tu n'as pas parlé. Dieu seul sait pourquoi il met un frein à ta bouche. Dieu seul sait pourquoi il y a des événements qui t'arrivent dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Alors que, à côté de lui, la reine était juive. On donne l'ordre. Le roi donne l'ordre. Il enlève son sceau, il scelle cela, et la loi des Perses et des Mèdes est irrévocable. Donc lorsque le roi a décidé qu'à partir de telle date, on va exterminer tous les Juifs, il n'y a plus personne qui peut changer cet ordre-là. Même le roi lui-même ne peut plus changer cet ordre-là. Pourquoi? Parce que la loi est déjà sortie. Elle est immuable. Et voilà qu'on a donné un délai pour que le roi, pour que le peuple juif soit exterminé. Et voilà que Mardoché apprend la nouvelle. Et lorsqu'il apprend la nouvelle, il déchire ses vêtements. Il revêt le sac et la cendre. Et puis il fait quoi? Il rentre à son poste. En train de jeûner, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, en train d'invoquer l'Éternel.
en train d'implorer l'Éternel. Mardoché, c'est le type de chrétien qui sait qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Le psaume 121, plutôt le psaume 120 dit, je lève les yeux, le psaume 121 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mardoché sait qu'il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Et il s'attend à Dieu. Mais voilà que lorsque Esther apprend que son oncle